Mes chers compatriotes, plus que quelques heures nous séparent de la nouvelle année, laissant derrière elle deux mois riches en événements, tant dans la vie de la nation que dans celle de chacune et de chacun de nous. Il m'est agréable en ce moment d'apporter toute ma compassion à celles et ceux qui ont perdu des êtres chers. J'adresse mes encouragements à celles et ceux qui ont été affectés par des maladies ou des accidents. Et j'exprime ma sympathie à nos compatriotes qui ont été forcés à quitter leur toit à cause de la folie meurtrière des actes terroristes et anarchistes qui sèment la terreur et la désolation dans quelques entités territoriales de notre pays. À ceux de nos concitoyens qui ont entrepris des projets dont ils attendent légitimement une issue heureuse, je les exhorte à être ténaces et à persévérer jusqu'à l'atteinte heureuse de leur objectif. Mes chers compatriotes, depuis 3 ans, notre nation est mobilisée autour de 3 grands défis dont dépend notre avenir à tous. Une fois de plus, le pays fait face à l'épidémie dévastatrice à virus Ebola. Après avoir été vaincu à l'Équateur, elle met à rude preuve l'expertise et la détermination de nos professionnels de santé à Beni et à Butembo, dans le Nord Kivu. Cette grave épidémie continue malheureusement à se répandre, occasionnant un bilan tragique. Depuis le début, le cumul est de 593 cas. Dont 545 confirmés et 48 probables. Au 28 décembre 2018, il y avait 359 décès et 203 personnes guéries. Il y a encore 66 cas suspects en cours d'investigation. Nous constatons donc que jusqu'à ce jour, malgré d'immenses efforts fournis, nos médecins n'arrivent pas encore à contrôler de manière satisfaisante ce véritable drame sanitaire. Nous saluons ici le courage exceptionnel et l'abnégation de toutes les équipes qui participent à cette rude épreuve que nous finirons par vaincre. Je profite de cette circonstance pour lancer un appel au civisme à nos compatriotes des régions touchées par cette catastrophe. Si nous avions pu vaincre les précédentes attaques de cette maladie hautement contagieuse dans d'autres régions de notre pays, c'est notamment grâce à la collaboration des populations et à la discipline. Je prie nos compatriotes de contribuer directement et efficacement à la lutte sanitaire que mènent nos spécialistes. Pour ce qui concerne nos compatriotes du territoire de Yumbi, dans la province du Maïndombe, à côté des condoléances que je présente aux communautés concernées, j'exhorte chacun à retourner au bon sentiment de tolérance mutuelle et de patriotisme. À eux et aux communautés de Beni et Butembo, j'affirme que les élections auront lieu dès que les situations respectives le permettront. Mes chers compatriotes,
Le pays est également confronté de manière récurrente au fléau du terrorisme qui endeuille nos populations et menace gravement la stabilité de la région. Que nos forces de défense et sécurité, qui luttent avec courage et sacrifice contre cette barbarie et assurent la sécurité et l'ordre public à travers l'ensemble du pays, trouve ici l'expression de la reconnaissance de toute la nation. À ce défi social et sécuritaire s'ajoute celui d'ordre économique lié à la baisse de cours mondiaux de matières premières, à laquelle nous avons fait face avec détermination depuis 2017. Les réformes entreprises ces dernières années ont permis à notre pays non seulement de relever le niveau de recettes publiques et de l'offre de devises, mais également de relancer la croissance de 2,4% en 2016, nous sommes passés à 3,7% en 2017, pour clôturer l'année finissant avec une prévision de 4,2%. Chers compatriotes, il est évident qu'au plan politique, le défi majeur demeure l'organisation du troisième cycle électoral historique à plus d'un titre. Assumé à hauteur de 90% en 2011, nous nous sommes engagés cette année pour la toute première fois de notre histoire à financer nous-mêmes entièrement notre processus électoral. Il s'agit pour nous d'un effort visant à soustraire notre pays des ingérences étrangères susceptibles de contrarier la volonté d'autodétermination de notre peuple. Chers compatriotes, il n'y a pas de doute, la République démocratique du Congo est aujourd'hui non seulement une république, mais bien plus une démocratie. Il s'agit là d'un deuxième acquis à préserver, après celui nous légué par le père de l'indépendance, à savoir un pays libre et uni. Vous ne me contredirez pas, il reste à poursuivre des réformes institutionnelles en vue de la rationalisation des coûts opérationnels excessifs des processus électoraux. En ce moment où s'ouvrent dans quelques heures les différents scrutins de ce cycle électoral, je voudrais rassurer notre peuple que ce processus est véritablement le sien. De la même manière qu'il s'en est approprié lors de précédentes étapes, à savoir la préparation et l'adoption des dispositions légales nécessaires au processus. La mise en place de la commission électorale nationale indépendante, l'organisation du financement de l'ensemble du processus, la publication du calendrier électoral, l'enrôlement des électeurs, l'enregistrement des candidatures et bientôt la tenue des élections proprement dites. Le peuple congolais est demeuré maître de son processus. Ainsi, le peuple congolais aura prouvé à la face du monde qu'il connaît les vrais enjeux de ces élections, ceux de l'affirmation de sa dignité et de la consolidation de sa souveraineté. Je voudrais en outre rassurer notre peuple que les dispositions ont été prises avec le gouvernement pour sécuriser toutes les parties prenantes
au processus. Candidats comme électeurs, y compris les observateurs. C'est ici aussi le lieu d'en appeler au respect des règles du jeu. Notre Constitution et toutes les parties aux différents accords l'ont reconnu, ne confère la compétence d'organiser les scrutins et d'en publier les résultats qu'à la Commission électorale nationale indépendante. Elle seule est in fine à la Cour constitutionnelle. Chers compatriotes, à la veille du jour de l'an, j'ai instruit le ministre de la Justice de mettre en exécution les mesures de grâce que j'ai prises en faveur de certaines catégories de prisonniers. Mes chers compatriotes, la République démocratique du Congo n'a pas besoin de détruire le bel élan de stabilité et de croissance pris grâce aux efforts de chacun et de tous. La République démocratique du Congo veut consolider sa démocratie, aller vers son développement et améliorer les conditions de vie de sa population. La République démocratique du Congo veut demeurer un pays ouvert, soucieux d'établir des relations de partenariat justes, équitables et respectueuses de la dignité humaine et de l'égalité souveraine des États. Que la grâce de notre Dieu et sa paix demeure sur la République démocratique du Congo. Bonne et heureuse année 2019. Mesdames et messieurs, je vous remercie.